السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Bon. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ça c'est Sourah Muzzammil. Alors, comme d'habitude, Ben frère, ben sœur, si nous avons envie de progresser dans nos dînes, dans nos imans, dans nos connaissances, alors, meilleure parole, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah fait une pause question. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ جَاءَ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ. Meilleure parole, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Alors, il y a un dévot ou un musulman qui lui fait des efforts pour lui connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui adresse avec lui dans le livre qu'Allah fait envoyer comme guidance. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, mon frère, bien sûr,
Moi, je dis que je connais l'espace, les ciels, comme ça, les ciels fin ouverts. Ça veut dire qu'il y a une quantité d'informations qui dévident dans nous la case, à l'intérieur de nous la case, est incontrôlable. Excepté Saint-Dimon, il couple complètement avec le monde, ça veut dire qu'il tient le téléphone, il tient la télévision, il tient la radio, il couple. Ne pas vous dire ça, Saint-Dimon, Saint-Dimon, oh, irait, parce que s'il y trouvait, c'est la seule façon. Qui ça dit mon capable prothèse iman so iman iman so maman iman so papa iman so madame iman so mes enfants il est obligé de faire parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Tahrim sourate 66 Allah fin donne l'eau ya ayyuhalladhina amanu o ban kina iman qu anfusakum wa ahlikum nara prothèse mettez une protection pour eux et pour votre famille qu'on diffère l'enfer. Alors un insan est obligatoire, nous devons comprendre ça. Ça même qui quelque chose qui pour sens nous la vie, c'est quand nous comprenons raison qui nous l'attire et qui m'en dévoue qui nous vise à accomplir afin qu'il nous réussisse dans sa dunya là. Ben, fait, bien sûr, nous puis arriver à la dernière époque, ça veut dire que fitna il peut augmenter beaucoup. Fitna il peut augmenter beaucoup et chacun parmi nous responsable pour là, moi, je peux adresser avec Mandjoun qui est imam, moi, je peux pas adresser avec Mandjoun qui est athée, moi, je peux pas adresser avec Mandjoun non-musulman, moi, je peux pas adresser avec Mandjoun qui n'est pas encore un imam, nous peux adresser avec Mandjoun qui est un imam, Billahi, lo Allah wa malaikatihi, soman ange, wa rusulihi, wa kutubihi, soman li qui Allah fin descend, soman rasoul qui l'a envoyé, wal qadri khayrihi, wa sharrihi, et le nom de l'imam, le taqdir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa connaissance infinie, l'infini crée tout quelque chose. Et Walbath, ça veut dire nous n'a pour nous n'a pour revivre. Alors quand Ndjimouni n'a djoumanzo, dit quand je peux écouter sa leçon, quand je peux écouter ma leçon, nous peux adresser avec Ndjimouni qu'il finit avec iman, le savant pilier de iman là. Ça veut dire ça Ndjimouni là, il pas douter qu'un jour il pour mort. Et ce mot, comment dit mot, c'est ce qiyama qui est arrivé. Al qiyama as-sughra, qui veut dire ça? Quand Ndjimouni dit mot, ce qiyama d'infini commence à partir du mot. Comprends ça bien. Quand un dimoun ni mot, ce qiyama commence la même. Ensuite, prenons ce qu'on appelle le petit qiyama. Parce qu'il finit rentre dans l'akhira. Quand un dimoun ni mot, il rentre dans l'akhira. Quand nous disons iman, bilion, mil akhir, comment un dimoun ni mot, il rentre dans l'akhira. À partir de là, nous pouvons cause akhira. C'est pour ça que quand mon frère, bien sûr, je peux le Facebook, dans mon livre, écrire, peux cause qui, mon dimoun qui m'entendait, oui, dimoun qui m'entendait, définitivement, dimoun qui m'entendait, l'étonne. Seulement, ben, quelque chose qui Allah ou bien Rasulullah s'assemble, il informe ou l'étendit. Il n'est pas tant de parler parce qu'il peine à l'écho. Un petit monde qui est dans le barzakh, il peine à l'écho. Ben, Ambi, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un barzakh spécial. La terre par manger de l'écho. Inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsadana. Ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la terre haram pour les manger de l'écho. Ça, ben, Ambi, alayhi salam. Zot barzakh, quand on quitte dunya, zot akhirat, qui sont rentrés dans zot akhirat, il y a un akhirat spécial. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une salat pour mon ambi alayhi wa sallam. Il fait une salat pour mon ambi alayhi wa sallam. Mais c'est même qui miracle là. C'est même qui appelle miracle. Qui appelle miracle que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en chair et en os, il peut être imam pour mon ambi alayhi wa sallam, qui quitte dunya, il n'a rien. C'est un miracle là, ça. C'est même qui appelle miracle. Et qui va nous croire, parce que ça, il confirme dans le hadith, ben, ou même confirmé bi hadith, kathira jiddan, beaucoup hadith, qui finit dans le mi'raj, finit dans la salat, Rasoul min Djibout imam, il trouve Moussa alayhi salam de Kabar, ensuite il trouve Moussa alayhi salam de l'échelle. Tout ça, ben, information, hein? C'est pas une information qui nous capable de tirer conclusion par nous. Nous commençons à tirer conclusion. Est-ce que ça veut dire quand il fait imam pour maintenant, nous commençons à poser question, nous disons, mais ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, non, pas ça veut dire, n'a pas une présomption, n'a pas une conclusion qui nous tirait dans quelque chose qui appelle akhira, dans quelque chose qui appelle raib, dans quelque chose qui appelle akhira, excepté qu'il y a un dalil, qu'il y a une preuve. Faudrait, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dit à nous, que Moussa Alayhi Salam de ce kabar fait namaz, là, nous connaissons que Moussa Alayhi Salam fait namaz. Et, ça, quelque chose, hein? Faudrait un hadith dire que tout ambiya peut faire namaz dans notre kabar, là, nous nous dire tout ambiya peut faire namaz dans notre kabar. Si un hadith, c'est que Moussa alayhi salam, il fait un namaz dans le kabar, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si un hadith qui
Ben, les autres ambiens, pas faire une avance de khabar, nous pas vous dire nous, mais basé qui Moussa peut faire une avance de khabar, ça veut dire tout ambiens peut faire une avance de khabar. Sa présomption, sa conclusion, sa analyse n'a pas existé dans quelque chose qui appelle Reib. Quelque chose qui appelle Reib, il faudrait une hadith. Du monde mot attendez? Non, du monde mot pas attendez. Coran, il n'y a pas attendez. Ah, Ibn Qayyim, il n'y a pas qui a fait Ibn Qayyim, il n'y a pas attendez? Ah, il est en salam. Quand fini entier, il est en pas. Est-ce qu'il est en. L'Itan, ce tifi, il dit, tu connais papa, aujourd'hui, mon couille, carré, roucaille? Hein? Est-ce qu'il nous a tiré sa conclusion là? Non! Faudrait un hadith pour nous causer de. Il dit, on infini mort, infini rente de barzah. D'ailleurs, ce système nerveux n'est plus existé. Central nervous system qui a l'un metté dans insan, procédure, méthode qui a l'un metté, mécanisme qui a l'un metté dans insan pour l'étendre, pas existé de barzah. Oui, ben, ambiya, je te vive dans ce khabar. Ok, je te vive. Mais il y a oxygène depuis là-haut. Oxygène. Ou ça, un vivre qui Allah connaît. Un vivre qui, un miracle. Un vivre qui dans Akhira. Un vivre qui dans Barzakh. Qui Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul connaît. Qui est un mécanisme qui existait dans vivant, qui ben, ambiya vivant dans ce khabar. Ça veut dire pas besoin d'oxygène, allô? Quand un mot, il a besoin d'oxygène. Allô, ben fait, bien sûr. Quand nous cause dit, nous cause ce que Allah subhanahu wa ta'ala et que Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Nous ne pas capables de tirer une perception, une conclusion de quelque chose qui est raib, de quelque chose qui est invisible. Nous avons un iman, le raib. Et alors, là, nous pouvons cause avec un frère et un soeur qui finit avec un iman qui est là pour nous. Nous ne pouvons pas venir là pour aujourd'hui, là, cette explication-là, ce n'est pas pour convaincre Bandimoun qui se tient pour moi. Non, je connais ce pour moi. Je connais qui, quand ce mot, ce n'est pas la fin. Pénal la fin. Non, c'est un intikal, c'est un transfert d'un monde qui appelle Dunia vers un monde qui appelle Akhira, vers un monde qui appelle Barzakh. Arrête là. Et si je pas fait erreur, je vais vous révérifier dans mon leçon que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous vérifier avant, que lui-même il informe nous que sa qiyamah, sa dimounen, finit de commencer une fois qu'il est mort. Je vais vous vérifier, inch'Allah, la semaine prochaine, je vais vous donner un autre. Alors, là, qui je peux dire, ça pointe, je peux expliquer, c'est que nous, les musulmans, quand nous pécons avec mon frère, mon soeur qui n'amène iman, nous ne pouvons pas venir là pour convaincre, je viens pour mort. Et je la mort pas connait qui dire. Non, je désigne une sa yakin qui se pour mourir. Et je tenais yakin qui malaïka pour une prendre roue. Et je obligé une yakin qui il y a deux types de malaïka qui viennent prendre roue. Un qui a une kafan depuis dans Jannah avec un qui a une kafan qui est un mauvais odeur avec lui. Alors quand nous peut expliquer din là, nous peut expliquer din avec ban frère et ban sœur et moi aussi pareil, hein, qui nous a iman, qui nous a pour mourir. Nous a iman au yomul akhir. Alors ça. Ça, l'état d'esprit d'un musulman qui est un iman, qui est un pour mot, et n'a pas à le rendre compte, mais il n'a pas capable de parler qu'un du monde qui peut manger, peut boire, peut vivre le raté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est le deuxième point aujourd'hui qui nous adresse avec un du monde qui est un yakin, qui est un pour mot, qui n'a pas connu quand est pour mot, et après la mort, il y a une étape qui peut venir. À partir qui malaika vient chez nous roux, jusqu'à qui nous t'es complété, jusqu'à qui soit pour dire nous, ok, get to place dans Jannah, en la porte pour ouvrir dans Jannah, et nous pourrions ben l'air qui sort dans Jannah, ou bien en l'autre sur place dans Jannah pour montrer sur place et en la porte pour ouvrir et les pour trouver sur place et en même temps s'il y en a pour gagner punition, il pour gagner sur punition dans Kaaba. Notion l'étant. Notion l'étant pas existé de barzakh. Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Baqara, dans surah Mu'minun, il pose question dans surah Ashabi Kahaf aussi, quand on dormit, que quand c'est dans tout Allah donne juste un sommeil, l'amour. Il donne juste un sommeil, l'amour, ça veut dire, je ne peux pas être en ta part, je ne peux pas comprendre rien. Comme la bithoum fil ardi adada sinin, comme ils ont fait un risque dans la terre, ben a dit yawman ou ba'da yawm, surah Mu'minun. Dans surah Baqara, euh,
ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في رب أوكي رايت الله سبحانه وتعالى جاء دا سورة بقرة dans sourate Baqara presque dans bismillah ayo aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu 100 aamin thumma ba'atha. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala enseigne nous concernant l'infer en jimoun mou. Thumma ba'atha, ensuite il fait aller revivre. Qala kam labitha? Qala labithu yawman aw ba'da yawm. Ça veut dire la conception, le temps, time, pas exister qu'en jimoun ni mou. Quand conception, le temps, pas exister, comment nous capables de comparer la vie barzakh avec la vie banane? Je dis, on attendait, la cause dit, attendait, qui nous peut causer avec lui. Je dis, oh, prophète, demande la prière pour nous. Oh, wali Allah, secours-nous. Demande droit pour Allah, secours-nous. Hein? Mais faut dire, il y a un hadith qui dit qu'il attendait. Oui, il y a un ayat courant, je dis, il y a un mot pas attendait. Il y a un hadith qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un miracle dans Badr. Pour qui, ou ça dans Uhud, pour qui les faire, ça m'a dit qu'il m'a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de Badr puis adresse eux. Ça m'a dit là, de man kafir. Et nous avons un hadith qui dit, il écoute salam. Il y a un hadith qui dit, retourne-lui sur roue pour lui répondre salam. Il y a un hadith qui dit, quand il finit entier, il tendit. L'iconique salam, il fait salam. Tout ce qui peut dire, nous sommes obligés de dire à un musulman qui n'a même iman le Allah et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quand un hadith qui nous confirme est authentique qui peut dire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a même iman le Allah. Mais nous ne sommes pas capables de dériver une conclusion, nous ne sommes pas capables de faire une conclusion, une présomption basée sur qui. Ça veut dire quand un jimoun là il peut répondre salam, ça veut dire qu'il faut l'étendre. Ibn Qayyim dit nous pas capable de faire salam, un jimoun qui peut attendre. Ça veut dire qu'il faut l'étendre. Alors quand il peut étendre, ça veut dire qu'il étend tout quelque chose. Il étend tout. Le Coran, de Surah Baqara veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple de celui qui dit passe côté de la ville. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'amour. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Allah donne l'amour, il me reste mort pendant 100 ans. Thumma ba'atha. Ensuite, Allah me réfère, il revive. Qala kam labitha. Qala labithu yawman aw ba'da yawm. Il dit un jour, demi-journée, à peu près. Ça a une place. Dans le Coran, que Allah peut montrer, un jimoun quand il mort, il n'y a pas qui peut passer dans la dunya. Non, il n'y a pas qui peut passer dans la dunya. Excepté si il y a un hadith dire, pareil que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un hadith dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui présente action sur l'Ummah devant lui. Il faut donner un hadith. Surah Baqara, ayat 259. Surah Baqara, ayat 259. Right là? Même affaire Ashab Kahf. Ashab Kahf encore. Comme l'habitum. Allah subhanahu wa ta'ala dit. وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. Comme dans une reste de Hasumeila, maintenant il dit un jour ou bien pas un jour. Deuxième fois de Coran. Troisième fois de Surah Mu'minun. Quand pour les gens qui ont dit qu'ils 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 ont parce que la notion de temps pas existé. Les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit l'école du tout. Qu'ils ont dit qu'ils ont l'école du tout. Ils pas qu'on compter. C'est moi qui peux être en Azan 5 fois par jour. Il y a un pendant un an. Si tu m'as dit combien de jours tu as un azan, tu connais 5 fois azan par jour. Il dit beaucoup de jours. Il n'y a pas qu'on compte, il dit beaucoup de jours. Il n'y a pas qu'un jour parce qu'il y a un azan constant ces jours. Dans Barzakh, notion les temps pas existé, notion calcul pas existé, l'intelligence, travail, pose, question, réponse pas existé. Excepté une information qui est wahi de nous,
Coran ou bien Sunna authentifié de nous concernant ben information qui peut passer dans l'invisibilité, nous amène iman là. Ça prend la clé? Allô, ben frère, ben sûr. M'aurait dit, m'aurait dit adresse avec ben frère, ben sûr, qui je t'en ai yakin, je t'en ai pour moi. Et je t'en ai yakin qui, l'amour, c'est pas la fin de l'histoire. Rest in peace, dis tout. Là, le test commencé, le test après l'amour commencé. Right? Et ce qui travaille bien, parce qu'il a fait, Al-Qabru, awwalu manazil al-akhirah. Rasoul Sassam dit, Qabar, c'est premier l'étape dans l'akhirah. Alors, nous pouvons avec Zout. Ben, frère, bien sûr, Ndimou n'est pas capable de vivre dans l'inconscience. Si il connaît un poumon, il n'est pas un écran du poumon. Il n'est pas un écran du poumon. Et il connaît qu'un mot là, c'est pas dire rest in peace. Non, non, non. Il n'y a rest in peace là. Il n'y a pas de passe pour ban, qui était? Pour ban événement, pour ban éventualité, pour ban test, pour ban l'étape, nous avons traversé. Deuxième. Ça, deuxième point. Troisième point pour aujourd'hui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le hadith dans Moussannaf ibn Abi Shayba, il dit, ayyuhan nas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, laysa min shay'in yuqarribukum ila al-janna, wa yubaidukum min al-nari, illa qad amartukum bihi, wa laysa shay'in yuqarribukum min al-nari, wa yubaidukum min al-jannati, إلا قد نهيتكم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نجيا أو بنجمون بين أو كان كتسوز كي غابوزوت avec جنة et éloignezوت avec l'enfer أو كان كتسوز أو كان أكشن excepté كي مونا informezوت concernant sa action là et مونا donnezوت l'autre pour faire sa action et بين أو كان كتسوز كي غابوزوت avec l'enfer et éloignezوت avec جنة excepté كي مونا empêzوت faire sa action حديث رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم جير صحيح مسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه بينه وكان نبي avant moi excepté qu'il était obligatoire pour lui أن يدل عمته على خير ما يعلمه لهم excepté qu'il est obligé le haut nabi là qui tout du bien qu'il connaît pour sa communauté là qu'il informe aux autres concernant ça وينذرهم شرمان يعلمه لهم et tout quelque chose qui pas bon pour eux les besoin avertis eux pour ça le rasoul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam il peut dire qu'ils a fait les puis enseigne nous les peut dire qui peine aucun nabi qui vient avant moi excepté qui n'importe qui du bien qui les connaît pour sa communauté excepté qui les fin enseigne eux de ça du bien là et n'importe qui quelque chose qui pas bon pour sa communauté là excepté qui les fin avertis eux contre ça quelque chose qui pas bon clair. Dans Mujam al-Kabir Tabrani, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, écoute ça bien, ma baqiya shay'un, pena n'ayant qu'il restait, yuqarribu min al-janna, wa yuba'idu min al-nar, illa wa qad buyyina lakum. Mou pe expect ki, je connais qui fait mou pe mettre sa hadith là, avant mou rendre dans Moussa alayhi salam, parce que parmi ban projet qui nous peut travailler là, comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, du monde attendait quand nous fait salam, du monde de Qabar, Allah, et le hadith dit, Allah retourne son ruh pour y répondre. Et il connaît que c'est là qu'il fait le salam. Mais c'est moi, basé sur ce hadith qui dit tant de salam, là, veut pas dire qu'il veut dire, si vous dites, aujourd'hui, vous mangez briani, vous tendez, vous mangez briani. Si vous dites, toi qui t'es opposition, vous pouvez répondre où? Vous pouvez répondre où? Mais c'est-à-dire, vous pouvez répondre où? Right? Alors, là, je suis fini cause. D'ailleurs, je n'ai pas envie de cause. Tendez, pas tendez, je suis envie de dire, mettre une réflexion sur qui nous peut adresser avec mon frère, mon soeur, qui moi, l'orateur, et man, qui peut écouter, avec mon frère, mon soeur, qui croit, et un yakin qui nous a pour mort. Et nous a pour rendre compte. Ça qui nous peut dire. Right, là? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, Pena nanyin. Subhanallah. Qui nous, ça nous oumette. Parfois, moi, réfléchis. Fait quand il y a une prêcheur, je vini, pareil que je dis, par exemple, quand Ramzan a commencé, je suis un djimoun, je vini, il peut dire comme ça, qu'un sahabi appelé Abu Zar, je suis un djimoun, je suis un djimoun,
premier la nuit de Ramadan, ou bien un autre vient dire comme ça, dans tel mois nous fait tel ibadat, un autre vient dire dans tel mois nous fait telles affaires, un autre vient dire nous besoin faire telle fête, un autre dire que ça dit mon amour, nous besoin faire telle action, l'autre là dire que nous demandons dua. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a Fatima radiallahu anha. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a le Fatima tout Zahra, Zahra radiallahu anha, ce tifi. Ce tifi, il y a un peu problème, un peu drap. Je dis, mais vous pas enseigner toi un dua. Il y a Fatima, vous pouvez enseigner toi un dua, tu n'as pas lié sa dua là. J'ai mon oublié sa dua là. Fatima dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, oublié dua que tu enseignement. Rasoul dit, Ya Hayyu Ya Qayyum, Arithni. برحمتك استغيث واصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين الرسول صلى الله عليه وسلم لي بيان سين سوتيفي سيد نساء اهل الجنه c'est-à-dire le chef de madame dans jannah فاطمه الزهراء رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي عليكم ça متشانسين توين دعاء Qui ça doua là ça? Qui n'arrive tu peux dire tout d'entrer arabe? Doua là, tu penses c'est vite doua là? Mais ce papa, tu là, ce papa, Rasoul Sassam, tu es avec lui, tu es besoin d'y aller comme ça. Quand on quitte Dunia, moi, allez, tu es venu, tu viens de faire avec moi. Quand tu as des difficultés, tu viens de faire avec moi. Mon bout dans même la salle, mon bout dans le kabar dans Madina. Non, il n'y a pas de dire ça. Il n'y a pas d'enseigner ça. Comment est capable un imam, un maulana, un alim, un pir, un murshid, un sheikh, il sorti l'arabe, il sorti l'en, il sorti. Il est venu, il peut dire en dimon, moi, c'est quoi avec Rasoul Sassam? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, puis on s'en sotifie. Fatima tu Zahra, radiallahu anha, Sayyidu Nisa Ahl al-Jannah, madame, tu fille de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est arrivé? Qui n'est arrivé à Fatima? Qui fait? Il a une visite, lui? Il peut montrer les fatigues et un peu de problème. Mais problème et fatigue? Mais qui n'est arrivé à Fatima? Moi, pas fini enceinte, toi? Moi, pas fini enceinte, un doua? Je ne sais tout ça. Il s'est fini oublié, lui. Qu'il dit, hein? Oublié. Rasoul Sassam réenseigne les doua là encore. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, hein? Wa aslih li sha'ni kulla, fala takilni ila nafsi tarfata'in. Ou comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qui est arrivé ça? Ça, c'est l'enseignement du Habib, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Frère Nabil, please, vous pouvez envoyer moi une question dans l'inbox. Hein? Allez, right. Right là. Ça veut dire dans ce hadith, c'est-à-dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, écoute ça bien là. Si un dimoun lui enseigne un ibadat qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas fin enseigné, lui pourra le contrer ce qu'il y a dans ce hadith. Le hadith qui m'a donné ça, et surtout ce troisième hadith là, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, ma baqiya shay'un pina nani. بين أنني يقرب من الجنة كي غابوس avec جنة ويباعد من النار إلى إلوان avec l'enfer إلا وقد بين لكم except que nous enseignons nous clarifions ça pour vous ça c'est حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم clear right astia dans les sons passés Ayat Coran qui m'a fini dire. Ayat Coran qui m'a fini dire dans lecture Coran qui nous habitue. Ma yamnouki an tasma'i ma ousika an taquli ila asbahti ou ila amsayt. Qui te souhaite qu'il n'empêche toi? Alors, dans un riwayat, Fatima dit à Moufine, oublié. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, rédialli, dit à ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Right? Hadith. Il est dans Al-Bayhaqi. هنا نيد البيحاقي هنا نيد من نزوت ليف وسي إن شاء الله هنا نيد مشكات المصابيح هنا نيد من بلوجيا ليف هاي الله سبحانه وتعالى دان فري دهليل جمال شا ما مو بيرو جناي مو بيجي سكي رسول صلى الله عليه وسلم بيجي اوكي فري مو مو بابي جناي Mopé dia ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui pina nani nani ninja Rasulullah pina nani ba baqiya shay'un yuqarribu min al-janna wa yuba'idu min an-nar illa qad buyyina lakum pina nani qui rapproche avec janna et qui éloigne avec jahannam excepté qui nous fin clarifier clair là fin clarifier pour eux
Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Muzammil, il dit « Inna arsalna ilaykum rasoulan » Il peut dire avec « insan » en général. Nous faisons envoyer vers eux un rasoul. « Shahidan » témoin. « Alaykum » conduite. « Kama arsalna ila fir'auna rasoula » Nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala comment il montre nous relativité. Relativité. Relativité qui est entre musulmans avec l'histoire de Moussa alayhi salam de Coran. Ça y est, Coran là, limite ça link que Allah subhanahu wa ta'ala nous comprend raison parmi ma sagesse de répétition de l'histoire de Moussa alayhi salam avec détail dans Coran qui fait à cause relativité qui est là avec Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa relativité là, Allah nous montre dans Surah Al-Muzzammil quand il dit Inna arsalna ilaykum. Ça veut dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam bini pour l'humanité en entier, pour djinn aussi, pour tout insan, jami'an jusqu'à Zoukhiyama. Je tout ça m'a dit, Allah peut adresser avec eux. Inna arsalna ilaykum. Nous finons envoyer vers eux, nous finons envoyer Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vers eux. Shahidan alaykum, un témoin. Alaykum, conduit. Kama arsalna ila fir'auna rasoula. Pareil, comment nous t'envoyons vers fir'aun un rasoul. Fa asa fir'aun un rasoul. Alors, Fir'aun, il finit désobéir à sa Rasoula. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala finit détruire Fir'aun et man qui tient ensemble avec lui. Alors, sans montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, les bienvenus fait ummatu da'wa veut dire tout man di moun qui vient après bi'athatun nabi sallallahu alayhi wa sallam, appelle zot ummatu da'wa. Ça veut dire que da'wa Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il vient y appliquer les autres. Ça veut dire, un di moun pas qu'à dire, moi, moi, pas, moi, reste dans l'Afrique, moi. Ça veut dire, moi, vie musulman, moi, musulman, pas important, non. Un di moun pas qu'à dire, moi, non arabe, moi. Un di moun pas qu'à dire, moi, mon parti de l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, qui peut arriver hein? Ok, alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les fin vin ila ila nasi jami'an, kafa, prend des pilines, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fin un a'lan sur bi'tha, quand il y a 40 ans, tout 10 moun qui viennent après, rentrent dans ummatu da'wa, ça veut dire qu'ils obligatoirement rentrent dans l'islam. Message, l'islam, c'est soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'après l'enseignement de sa Rasoul, qui Allah il envoyé de cette époque-là. Et pour nous, c'est Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Dans sa ayat Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer relativité. Il dit, inna arsalna ilaykum rasoulan shahidan alaykum. Nous finons envoyer via zut, un rasoul qui shahid, les témoins conduit. Kama arsalna ila fir'aun rasoula. Pareil, comment finons envoyer via fir'aun rasoul. Et c'est lui qui est moussaddiq. Oui, Moussa alayhi salam, Allah in épanouit les autres, c'est lui qui amène iman au Moussa alayhi salam. Les mettant en pratique digne de Moussa alayhi salam, dans l'époque de Moussa alayhi salam, Allah in épanouit les autres, et les autres pour gagner Jannah, et c'est lui qui désobéit, Allah in détruit les autres. Alors, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ummatul da'wa, wa bija Ummatul istijaba, wa alaykum salam. Ummatul istijaba veut dire, man qui finit amène iman. Ummatul da'wa veut dire, c'est tout du monde qui vient dans Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça montrer relativité qui est entre qui Coran il a envie de lire l'histoire de Moussa alayhi salam afin qu'il quand nous lit nous pour trouve qui n'arrive Moussa alayhi salam comment il fait face avec Pharaon qui n'arrive en Israël avant amin iman quand il amin iman avant faire muajaha muqawama avant qu'il confronté avec Pharaon après qu'Allah in épanouit de Pharaon in punit Pharaon et ce man l'homme qui n'arrive en Israël nous pour tout ça là inshallah aïe. Moussa alayhi salam, comme salam. Moussa alayhi salam, je connais un djimoun qui rentre dans les sons au milieu des sons, il fait moi salam. Moi, je peux expliquer. Moi, vous avez arrêté d'expliquer, répondre sur salam? Non. Vous avez continué à expliquer. Right? Moussa alayhi salam, dans Sourah Ma'ida, il dit à ce communauté, wa ithqala Moussa li qawmihi, ya qawmi dhkuru ni'matallahi alaykum, ith ja'ala fikum anbiya'a. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ Alors Allah subhanahu wa ta'ala puis enseigne nous qui Moussa alayhi salam les peut dire sur ma communauté qui mazine ma faveur qui est dans Allah l'autre et parmi sa ma faveur là les finanvoient ben ambiya parmi les autres ben Israël Moussa alayhi salam peut dire ça veut dire il y a un ambiya qui vient vers ben Israël avant Moussa alayhi salam
Alors, Banu Israël, comme on dit dans les sons passés, dans la quatrième session, je t'y attends un rasoul pour venir parmi Banu Israël. L'étant Youssouf alayhi salam, il paraît, je pensais que Youssouf alayhi salam, c'est lui-même, sa rasoul qui banna piatan et qui, je t'ai une information qui peut une confrontation et qui peut détruire hein, Pharaon. Quand Youssouf alayhi salam, ce que vous pouvez trouver dans Sunan al-Kubra, An-Nasa'i. Alors, quand Youssouf alayhi salam, il vient sur Wafat, pas qu'à dire un mot, il y a un père pour dire un mot. Pas qu'à dire un mot. Quand nous pouvons écrire, là, quand arrive le mot de Youssouf alayhi salam, il dit non, il y a un Wafat, il y a un Zurdou, il y a un là. Mais quand nous sommes dans tout le monde, tout, alors, nous devons prendre précaution, même si on va dire, l'amour de Youssouf alayhi salam, non, pas dire l'amour. C'est-à-dire l'amour de Rasoul alayhi salam, un dimoun, il y a un kafir dans un man leçon, à cause de nous dire qui était Rasoul alayhi salam, il mort. Il y a un kafir tout. Alors, nous devons dire, vous pouvez écouter une leçon hier soir entière, là, Baye qui peut expliquer, il dit, l'état Rasoul alayhi salam, il y a un saut wafat, là, Abou Bakar, il explique, man dimoun, man kana yabdou. C'est-à-dire, il y a le mot wafat, là, on dit, nous devons cause ourdou en créole. Nous tous, nous devons apprendre ourdou, nous cause ourdou, nous tous, quand nous disons l'amour. Puis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ya ilahi wa rafa'ana laka dhikra, puis est-ce que ça n'a qui pouvait, que ça n'a pas fait roustakh Rasoul, que ça n'a qui peut envie diminuer Daraja Rasoul, que ça n'a qui par contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, affaire là, il arrive là, comme un dimoun vient avec sa main, qui a été perception, puis je connais assez, 2020, on arrive dans 1441 années hijri, assez avec sa main fitna. Oui, normal, c'est un dimoun qui peut faire, comment dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comment dire, non, rien, comment dire, mais ça, normal, ça, il y en a dans une qui vient faire avec lui, qui se hukoum. L'état de Youssouf alayhi salam, il gagne l'amour, comme Allah dit dans le Coran, ولقد أرسلنا يوسف ولقد أرسلنا يوسف من قبل بالبينات ولقد أرسلنا يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. Alors quand Youssouf alayhi salam qui lit les garçons de Yaakoub alayhi salam, ça veut dire les Banu Israël, lui aussi, quand il vient dans l'Égypte, on expliquait, là c'est l'entrée de Banu Israël, ben les enfants de Yaakoub alayhi salam, dans l'Égypte, quand il vient là, quand il mort, alors ben l'Indiastia, dans l'Égypte, ça veut dire pas pour une encore Rasoul, ça veut dire ok, en paix. L'état d'invinisme, tu peux penser qu'il s'est Rasoul qui n'est annoncé pour venir là, c'est Youssouf, et Youssouf, pas de faire, pas une confrontation avec les rois d'Égypte, pas une confrontation. L'état panine à sa confrontation entre Youssouf alayhi salam et les rois d'Égypte, ben ça veut dire correct, Astère, nous ok, pas pour une année. L'état d'inmo, ça veut dire parler sa rasoul qui manna piatan qui pour venir pour faire confrontation avec un pharaon. Alors, qui l'autre pharaon il donné? Il donne l'autre pour tuer tous les enfants. Ça m'a expliqué, ça m'a passé. Quand il donne l'autre pour tuer tous les enfants, dans Sunan al-Bayhaq, Sunan al-Kubra, qui lui dit, qui banna sa courine arrive à une position que je l'état manjimoun. Pevin vie pembo pa l'amour naturel quand il te dit moun qui pharaon et soman follower na pe diminuer là la manne décider non nous tui en l'année nous pas tuer. Alors Haroun frère de Moussa et Sam inni dans l'année qui parti pétui enfants alors l'inni ouvertement public ensuite Moussa et Sam l'année ensuite l'inni dans l'année qui ban natipero du moun pour tuer. Ça a l'air clair. Qui arrive à ce ça veut dire que Pharaon se traqua, ce trône, traqua Pharaon, accepté pour prendre décision pour tuer tous les enfants qui peinaient, zis à cause pour protéger ce trône. C'est un qui m'a envie, qui m'a frère, qui m'a sûr, c'est no dispoint. Qui, pour protéger trône Pharaon, pour protéger ce royauté, pour protéger la continuité de la domination humaine qui est Banu Israël. Quand Banu Israël, tu vas faire khidmat Pharaon et Sohal Ali Pharaon. Koum salam. Ok. Alors,
Ben, les ceux qui nous apprennent dans sa événement avant venue de Moussa alayhi salam, qui Pharaon, lui prend une décision, yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum wa yastad'ifu shi'a, lin rafle bilizot, lin divizot, lin tuizot, et lui laisse ben madame. Tout ça qui se action, qui Pharaon, il prend. Et lui pétue ben tibaba fekni, tout. Yudhabbihuna wa yuqattiluna ina riwaya, ina ayat, tout ça là, à cause de ces affaires. Parce qu'il perd confrontation de sa rasoul qui peut venir. Ça veut dire qu'il connaît qui est un rasoul pour venir. Il connaît, ça veut dire. À l'intérieur, il connaît. Mais get jusqu'à à qui point réaction qui se tient pour protéger le trône et pour protéger la royauté et pour protéger le dunia et pour la continuité de l'exploitation de Banu Israël. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surah 14, Ibrahim Sam, wa laqad arsana ila Moussa. أن أخرج قومك من الظلمات التيت كوميونيتي سوسا لسكلافاج سا دوميناسيون هومين سا اكسبلواتاسيون كي فرعون بي فيه مع بنو اسرائيل alors الله سبحانه وتعالى n'a pas d'accord avec exploitation insane pour un autre insane الله سبحانه وتعالى n'a pas d'accord avec ça alors الله سبحانه وتعالى dans sourate 14 lui dit Moussa alayhi salam puis envoie toi pour le tirer eux là-bas. Et nous pouvons trouver au cours nous laissons parmi ben, l'objectif que Allah subhanahu wa ta'ala les envoie Moussa alayhi salam vers Pharaon, c'est pour lui libérer les enfants d'Israël, ça veut dire Banu Israël alayhi salam, Yaqub alayhi salam. Oui. Travail en Nabi, c'est enseigner du monde pour une servité unique pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Travail ben Anbiya alayhi salam pour libérer l'humanité avec toute forme d'esclavage, esclavage économique, esclavage social, esclavage culture, esclavage national, esclavage groupe, esclavage nous nafs, esclavage nous leurs hommes, esclavage nous positions, tout ce qu'appelle qui gravent du monde, living esclave pour une créature apporte Allah subhanahu wa ta'ala, ben Anbiya alayhi salam, ce travail c'est libérer insan avec toute forme d'esclavage et place sous esclavage unique et seul pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Et ça c'est la compréhension qui ban sahaba fin dire bu'ithna li ikhraj an-nas min ibadati al-ibad ila ibadati rabb al-ibad ou comme on dit. Qui était, nous, Allah finit envoie nous pour nous libérer insan de toute forme d'esclavage, pour nous placer sous l'esclavage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui devine un ibad mukhlis lillah, devine un serviteur sincère, zis pour Allah, purement pour Allah, c'est celui qui peut atteindre libération totale de toute forme d'esclavage. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons trouver dans, quand nous autour nous laissons, quand Allah finit envoie Moussa alayhi salam pour libérer les enfants d'Israël sous l'exploitation, sous domination, sous l'oppression, sous esclavage qui Pharaon il fait avec Banu Israël. Alors quand il y a un tracas, mais si c'est tout mort, c'est là qu'il peut occuper nous, c'est là qu'il faut nous servir, alors là, il a décidé, mais un an, tuer, un an, pas tuer. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Qasas lui dit, quand on finit comprendre ce qu'il fait, tu peux tuer. Là, nous peut cause premier tuerie qui Pharaon tu peux faire, c'est avant naissance de Moussa alayhi salam. Ensuite, Moussa alayhi salam est né. Quand il naît, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Qasas, wa awhayna ila ummi Moussa an ardi'i, fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi, wa la takhafi wa la tahzani, inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Les fins révèle vers maman de Moussa alayhi salam. La révélation ici, c'est un whispering qui qadhafna fi qalbiha. Ça veut dire Allah in fait une révélation à travers un whispering dans l'équerre de maman de Moussa alayhi salam. C'est pas la révélation de man anbiya alayhi salam. Parce que maman de Moussa alayhi salam n'est pas un nabi. Vous trouvez? Rahmatullah alayhi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa awhayna ila ummi Moussa, nous fait une révèle vers ummi Moussa. Alors ici, premier point important qui sa révélation ici, c'est pas la révélation prophétique. C'est un whispering que Allah subhanahu wa ta'ala il fait dans les cœurs de
Allah subhanahu wa ta'ala, il inspire les pieds de maman de Moussa alayhi salam, en ardi'i, à l'étli, fa'idha khifti alayhi, alors si arrivé qui te retrouve le danger qui fir'an pouvin putuili, fa'alqihi fil yammi, alors posi dans la mer, ici c'est la rivière Nil, posi dans la rivière. Voilà, takhafi, n'a pas peur. Voilà, tahzani, n'a pas tracassé. Inna radouhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Et nous pourrions tourner vers toi. Wa ja'iluhu min al-mursalin. Et les pouvins en rasoul. Les pourrions tourner vers toi. Et en même temps, les pourrions risalat. Les pourrions les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Allo, Allah subhanahu wa ta'ala. Les pourrions rassurer maman de Moussa alayhi salam. Ici, il demande nous pour réfléchir. C'est un lot d'Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Un lot d'Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu qui pour protéger Moussa alayhi salam, alors zetli dans Nil. Et dans sourah Taha, Allah subhanahu wa ta'ala dit comment il mette-li dans la mer, comment il mette-li. ولقد مننا وأوحينا إلى أمك يا إلى أم موسى إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت مثل دا ان دان اسبيس ان ان مو باكون يمان سان بوات ان بوا right فاقذيه في اليم الو ensuite là mettre dans je ça veut dire quand on pense à des ayat Coran Allah subhanahu wa ta'ala inspire maman de Moussa alayhi salam pour mettre dans un tabout dans une boîte d'un petit caisse ensuite pour mettre dans la mienne. Ici, ça même qui Allah subhanahu wa ta'ala, ça a une qualité lourde, la même qui nous, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pas. C'est pour ça que dans surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ dans surah An-Nisa أَنْ يَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 4, Allah dit dans surah 4 verset 66, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلُوا دَنْ كُوبَيْ d'un peuple approprié كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُّبُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qui si arrive nous je vous donne autre lot tu es autre même un lot d'Allah ça allez al tu toi un lot d'Allah ou bien quitte la case allez un lot d'Allah un lot d'Allah descend. Dis à tous les mouminoun que vous êtes la case, allez, reste le désir. Oh, les mouminoun, allez, allez, tous les autres. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Ma fa'alouhu illa qalilum minhum. Bien, tu dis, tu peux faire ça. Alors, nous, dans le dîn islam, sous nubouat, risalat de nos habibs, sallallahu alayhi wa sallam, nous pénons à ce qui a été l'autre, là. Nous pénons à ce qui a été l'autre, mais quand vous êtes enfants nés, alors, prends vos enfants, allez, êtes-les dans. Kaaba, al-kitli kot Kaaba, comme Ibrahim Sahib, Soumana, Mingyantis, ou bien comme Moussa alayhi salam, Pégantis, al-metli dans la main. Nous, subhanallah, ad-dinu yusr, Rasul sallallahu alayhi salam, Nijir, Sahih Bukhari, ad-dinu yusr, din c'est la facilité. Din la même c'est la facilité. Pas pour dire, chacun prend facilité d'après ce nafs, non. Quelque chose qui fit ce nafs, il est adopté. Quelque chose qui pas fit ce nafs, il est rejeté. Non, pas pour dire ça là. Pas dire, din la même. Composition nous dit à l'islam, règlement qui est dans l'islam, ruling qui est dans l'islam, ban l'enseignement qui est dans l'islam, qui vient enseigner dans le Coran et dans le sunnah de nos habibs sallallahu alayhi wa sallam, c'est la facilité. Yuridu Allahu bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. Allah n'a pas eu les difficultés, il a la facilité pour eux. Vous trouvez? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, lui peut donner une leçon, quand nous peut lier ça, ayat Coran là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui fin donne l'autre, maman de Moussa alayhi salam, qu'il a fait qu'il l'autre, allez, allez-t'li, et si arrivé, tu peux gagner pire.
qui Pharaon et son armée et son serviteur et son allié pour venir pour tuer Moussa alayhi salam, alors mettez-les dans la rivière. Et Allah rassure lui. Voilà ta khafi, pas pire. Voilà ta hzani, n'a pas tracassé. Allah promet lui, inna radouhu ilayki, wa ja'iluhu min al-muslimin. Alors, un mu'min, quand il connaît qu'il arrive l'histoire de Moussa alayhi salam, quand il peut lire sa ayat qui nous peut lire à ce tir-là, est-ce qu'il n'y a pas un yakin qui nous robe l'une de nous l'autre? Oui, et n'a pas l'autre, il n'y a pas fit nous. Nous avons besoin de craser nos nafs, nous avons besoin de larguer avec nos nafs. Parfois, nous avons besoin de la guerre avec la famille. Parfois, nous avons besoin, mon père dit la guerre, ça veut dire que la famille, pas ou l'aime, mettre en pratique din Allah. Un jimoun, il peut besoin, il est d'accord pour mettre en pratique din Allah. Comment Allah, avec son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, enseigné. Alors, il y en a pour faire confrontation avec ça. C'est vraiment nous dire faire avec la sagesse. Nous pas dire la guerre, non. Mais seulement quand un jimoun, il décide pour les trappes din Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment Allah dit, yaïho ladina amanut khulu fi silmi kafa. Rentre dans l'islam totalement. Pas choisir femme il y a quelque chose qui les menacer les approprier avec nous l'intelligence nous caractère. Beaucoup de monde quand ils choisissent un professeur ou bien ils choisissent un groupe avec qui il y a des liens parce qu'il l'enseignement de ce groupe là les fit avec caractère ça dit monde là et ce man veut et ce man wish et ce man l'objectif bien souvent on va dire tous les temps alors même qui sa groupe là ou bien sa professeur là ou bien sa pays là les préfère man quelque chose qui clairement nous peut trouver les contraires ce qui Coran avec son indien vu qu'il y fit moi mon ban perception les fit moi mon caractéristique humain même fait moi moi niveau mon gain la guerre tout mon voisin mais mon rentre dans un groupe qui en tout du monde gain la guerre fait moi dire moi mon grandi d'un pays que tout le temps finit dans la guerre. Ça veut dire, moi, choisir sa groupe qui fait djihad. Ça veut dire, moi, rentre avec lui. Mais nous, nous, besoin qui? Nous besoin faire nous soumettre devant tout l'autre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'autre de nos habibs, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ça appelle ça rentre dans l'islam totalement. Et bien, quelque chose qui nous a faiblesse, nous, tout est une faiblesse, moi, qui orateur, et les autres qui peuvent écouter, nous, une faiblesse, man, du monde qui dans digne, qui peut pratiquer digne, et nous, tout est une faiblesse. Ça, man, faiblesse là, nous, besoin reconnaître lui. Envers nous dîmes qui nous n'avons pas faiblesse, mais manquement. Alors, ça, man manquement là, nous mettons dans une checklist et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qui aide-nous, Allah aide-nous, a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, Allah aide-nous pour nous mettre en pratique, ça, man rappel là. Et bien, petite chose qui nous trouvait, Allah nous peut réussir, faire bien, nous pas faire sans pion, nos frères, nos soeurs, ce qui nous fait, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous disons Alhamdulillah, illadhi hadana li hadha, wa ma kunna ni nahtadiya lawla an hadana Allah, comme il y a la sourate Araf, oh Allah, tout grandeur pour toi, c'est toi qui finis de nous, et si tu guidances, pas de l'eau, nous pas de continuité à aujourd'hui. Ça, c'est le caractère qu'un musulman nous a dit. Mon Dieu, qui est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parmi plus de doigts qui disent, plus beaucoup, Allahumma hadini fi man hadait. Oh Allah guide-moi parmi les bien guidés. Et pourtant, le Coran peut dire concernant le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sur la 43, wa innaka la tahdi ila sirat al-mustaqim. Toi, tu guides le sirat al-mustaqim, tu guides insan vers sirat al-mustaqim et jinnat aussi vers sirat al-mustaqim. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, meilleure guidance et guidance de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, khair al-hadi, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Meilleure guidance, c'est guidance de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, les plus enseignants sont ummat, Allahumma hdini fi man hadait, oh Allah guide-moi parmi les bien qui te fin guidé. Ça, c'est l'enseignement de nos Habib sallallahu alayhi wa sallam. Quand un djimoun, il trouvait qu'Allah peut donner tawfiq, Allah peut donner ce faveur au lit. Pour lui vivre de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas sorti, il n'est pas autoproclame sa purité, sa purification, il n'est pas autoproclame qu'il passe l'examen, il n'est pas autoproclame qu'il peut rentrer dans le djinnah et tout le monde dans l'enfer. Ce qu'il fait, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur qu'Allah peut faire au lit, sa rahmat qu'Allah peut verser au lit, sa bénédiction Allah qui peut tomber au lit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut garder le ciment droit. Et bien, le manquement qu'il y a, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala se l'aide, il demande à Allah se l'aide pour verser au lit afin qu'il soit capable de purifier lui de sa manquement là. Et nous tous, nous savons qu'il y a un manquement qui nous nécessite purification Allah subhanahu wa ta'ala jala jala. Et lui, c'est lui le meilleur de ceux qui purifient, c'est Allah subhanahu wa ta'ala jala jala lahu. Moussa alayhi salam. Wa ja'iluhu min al-mursaleen. Et de ni bonne nouvelle, inna raduhu ilayk. Nous pourrions tourner vers toi. Wa ja'iluhu min al-mursaleen.
et les pouvines parmi man mursalin, ça veut dire parmi man rasoul que Allah subhanahu wa ta'ala istafa in choisir. Aïka, continue. Faltaqatahu alu fir'aun. Et Allah subhanahu wa ta'ala ce travail. Allah subhanahu wa ta'ala ce travail quand nous musulmans, nous poustiquons tout l'enseignement de nos Coran et Sunna de nos Habib sallallahu alayhi wa sallam. Man l'enseignement côté man l'autre qui nous bien fait man action. Et d'ailleurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on cite trois hadiths. Au commencement, on les sont que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun qui te sauve, qui est bon pour eux, excepté qui informe eux, il n'y a aucun qui est pas bon pour eux, excepté qui m'a fait avertir eux. Et dans le dernier hadith, c'est quand même que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas qui pourra poser avec Jannah et pour éloigner avec Jahannam, excepté qu'il m'a fait clarifier ça pour eux, m'a fait enseigner eux. Ça, c'est nous, Habib, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, tout qui soit fait enseigner nous. N'importe qui s'en a qui met un l'enseignement, qui ne pas fait enseigner nous, ça veut dire qu'il peut faire tourment, il peut attaquer la parole de nous, Habib, sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire lui-même, ma baqiya shay'un, peine un an qui ne restait. Qui pour rapprocher nous avec Jannah et pour éloigner nous avec Jahannam, excepté qui, je devine être averti, je devine être clarifié, information vous a été donnée sur cette chose-là. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une promesse, maman de Moussa alayhi salam, qui promesse, « Inna radduhu ilayk » nous retournons vers toi. « Waja'iluhu min al-musallin » ça, lui donne yakin un musulman qui promesse Allah subhanahu wa ta'ala livrer « Inna wa'adallahi haq » qui promet ça la livrer. Fala taghurrannakum al-hayat ad-dunya. La palesse dunya divers eux, éloignez eux, déviez eux de l'objectif. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Fallait pas shaitan pour victoire aux autres après tout ça clarification que Coran il donné dans Coran et que Rasoul qui a l'un donné dans Coran et Rasoul ça m'a dit dans Sunna là aussi nous réussis rentre dans Jahannam. Dans sa phrase bien que mon Dieu autres. Après tout ça, précaution, tout ça, l'enseignement, tout ça, clarification, tout ça, détail qui nous habib sallallahu alayhi wa sallam, de nous réussirons dans Jannah, dans l'enfer. Et ça, hadith là, il existait dans Sahih Bukhari que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Wana akhidhukum bihujazikum wa antum taqtahimun an-nar. Sahih Bukhari. Que Rasoul dit moi, mon pari, comme un jour qui est venu pour avoir été dit, Aïla, Jifé, l'homme, l'ennemi, Jahannam, tout là. Moi, je finis, mais tout devant eux là. Là aussi, l'intrape nous pour nous sentir. Attention, nous tombons de Hadjifé là. Là aussi, tak tahimoun veut dire beaucoup de gens peuvent tomber en diamant dans l'enfer. Rasoul veut dire ça concernant ce ummat. Rasoul veut dire concernant ce ummat. Wana akhidukum bihujazikum. Il veut dire concernant man qui n'a pas d'iman. Ça veut dire, man frère, man soeur. Din l'éclair, il est clarifié. Leïlouha kanahariha, pareil comme la nuit et que le jour, l'est clarifié. Allen clarifié dans le Coran. Rasoul Sam est clarifié dans Sunna de ce lavi. Right là? Là aussi qui est arrivé? C'est pour ça que Rasoul Sam dans Sahih Bukhari dit Kullu ummati yadkhulun al-jannah, tout mon ummat pour rentrer dans la jannah, illa man aba, excepté c'est lui qui refusait pour rentrer dans la jannah. Subhanallah. Tout mon ummat pour rentrer dans la jannah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pédia, nous habib sallallahu alayhi wa sallam pédia, sahih Bukhari, il la man aba, excepté c'est lui qui refusait pour rentrer dans Jannah. Mon sahaba dit, ya Rasoul Allah, famen ya aba, il n'a dit moun pour refuser pour rentrer dans Jannah dans sa ummat là. Allez, comment finir les sons finis là, prenez le papier, mettez la table de la famille. Nous envie rentrer dans Jannah, nous envie rentrer dans Jahannam, quand nous envie rentrer, posez le papier de la table. Posez un papier sur la table. Tu te connais, tu es un poumon? Oui, nous connaissons un poumon. Tu connais quand ton poumon? Non, tu pas connais quand ton poumon. Tu connais qui après la mort? C'est pas la fin? Non, c'est pas suite et fin. Non, c'est le commencement de l'akhira. Hein? Al-qabru awwalu manazil al-akhira. Ça me dit, premier l'étape de l'akhira, c'est le qabr. Allez, right? Mets ça sur la table. Prends ça, mets-le dans le papier. Pareil comme dans le management, maintenant, tu connais, mets tout l'objectif devant la table. Alors, on vit une ingénieur, tous les jours, venez ou get ça. Nous, Salman, nous, l'objectif, pas ingénieur. Oui, vin ingénieur, c'est un moyen qu'Allah mettait dans sa dunya pour sa musulman à l'Isserv, lui-même, et l'Isserv, sa communauté, pour les réaliser, raison qu'Allah mettait le terre. Mais sur l'objectif, c'est pas vin ingénieur. Sur l'objectif, c'est pas vin docteur. Sur l'objectif, c'est pas vin imam. Sur l'objectif, c'est pas vin mujahid. Sur l'objectif, c'est pas pour faire salat. Sur l'objectif, c'est pour les vin un serviteur sincère, juste pour Allah, quand il mourit en Jannah. En tant qu'un individu, en tant qu'une communauté. Alors, mettez-le à la table.
Mettez pose question sa TV qui pas peut écouter. Li parle mettre jilbab, li parle faire salade, li pas peut écouter, li désobéir son maman, son papa, sa garçon là, ou bien sa madame là, ou bien sa Michel là. Mettez un papier de la table, fais-le prendre conscience, écris-le sa papier là. Est-ce qu'il te donne pour moi? Tu es un poumon, et s'il te connaît quand tu es un poumon, et s'il te connaît après ton amour, c'est un commencement d'un nouveau, la vie qui appelle Akhira, et là-bas, il y a un résultat de ce qui te c'est une introduction de résultat de ton action dans le monde. D'accord. Et il y a une forme de purification aussi. Pour une fois qu'il y a un iman. D'accord. Alors, mon frère, bien sûr. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit que inna wa'dallahi haqq. Allah se promet de livrer. Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya. N'a pas la vie dans le monde, déviez-vous de l'objectif. Fala yaghurrannakum billahi al-gharur. Il n'a pas le shaitan, déviez-vous. Allah, il déchiffré dans le Coran, plan shaitan. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait en détail quelque chose qui shaitan, il vous servit pour détruire l'insan et sur l'objectif. Dans l'histoire de Moussa alayhi salam, Allah peut donner une promesse Moussa alayhi salam sur maman. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Faudrait pas wala takhafi wala tahzani. Voilà ta khafi, voilà ta hzani. Alors, n'a pas peur, n'a pas désespéré. Et ça n'a pas peur, n'a pas désespéré là. Ça a été Coran, il vient aussi pour les mouminines dans Surah Ali Imran. Ici, voilà ta khafi, pas peur, voilà ta hzani, pas gain traka. Et dans Surah Ali Imran, Allah dit avec les mouminines, voilà ta hinou, n'a pas désespéré, voilà ta hzanou. N'a pas gagné traka, wa antumul a'launa, zot zopou lao, in kuntum mu'minin. Mais azo dizou, oumat dans la bassesse. Ban frik, ban sûr, quand c'était là, nous pouvons choisir, quand nous pouvons manger, zodi dans le restaurant, dans zodi, dans nous vers, nous frisider, par l'ordre Allah, par faveur Allah, li rempli la house, quand papa pe connaît qui boukoui, à c'était là, là, ban juif, ban zioniste, dans Israël, li pe rentre dans la case musulman, palestine, li tie li met l'idéo, li prend une famille juive, li remplace li sur la case, et yamène ce man qui tsou, li met sa djouna l'osimi. À c'était là, dans 2020, ça peut arriver là. Azodi, ça peut arriver là. Les ayant envie de rentrer dans la terre, ça la terre là pour nous. Mais là pour dire oui, non, c'est pas ce que vous dites, pas tout ce qui man, ce qui gouvernement palestinien, ou ça gouvernement Gaza, ou bien ce qui Turquie pour dire, ou bien ce qui Jordanie pour dire, non, rien, ça c'est juste, comment dire, peut souffler dans l'air ça. Non, ben, n'a pas venu, peut mettre ce plan, puis annexer, je peux fermer, mettre miraille, tout ça peut passer à Sierra dans 2020, là, comme on peut causer avec vous, là. Mais c'est pas une désolée pour Oumat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui chose qui nous fait nous tomber dans une basse pareil? Qui chose qui nous fait nous tomber dans une basse pareil, qui nous n'a pas une capacité, avec tout ça qu'on sait, l'argent qui ça Oumat là peut dépenser, l'osoman l'armée dans un pays musulman, on peut causer, qui 5 millions de juifs, hein, Péroul Sadounia, là? Qui fait une tombe de Habassis, là? Qui fait une tombe de désunir? Vous voyez qui fait une tombe de désunir? Quand nous mettons une équation, et dans une équation, nous mettons ce résultat désunir. Nous réussissons à compléter les équations, les components qui, quand mixent ensemble, gagnent désunir. Mais nous ne pouvons pas gagner désunir. C'est là qu'il dit ça. Quand le Coran peut dire, nous suivons, Duribat alayhimu villatu, ou al maskanatu. Allah qui plonge dans des zones, il plonge juif dans des zones. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui dit que l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas tombé dans des zones? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Taba'i'atum bil'ayna, wa taba'atum annab al-baqar, wa radhitum bil-zar, wa taraktum al-jihad, sallatallahu alaykum dhullan, la yanzi'uhu, hatta tarji'u ila dinikum. » Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Taba'i'atum bil'ayna, c'est arrivé, je fais un commerce dans l'intérêt. Wa taba'atum annab al-baqar, ça veut dire qu'il arrivé, je te suive. Laquer de ce man troupeau, ça veut dire de la culture. Wa raditum bizar, je ne satisfais avec cultivation. Wa taraktumul jihad, et je ne quitte jihad. Sallatallahu alaykum dhullan, Allah pour plonger dans le déshonneur. Mais si nous réussissons à gagner les ingrédients, nous, musulmans, nous avons les ingrédients, nous pouvons mettre en pratique les ingrédients qui sont résultats, c'est briani. Les boussons du briani.
Ben, si résultat là désonnier, li pou gen désonnier. Si résultat man ingrédient qui peut servir de se laver en tant qu'une communauté, en tant qu'un pays, en tant qu'un groupe, en tant qu'Umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous servir man ingrédient qui peut donner nous izza, qui peut donner nous pouvoir, puissance, contrôle, contrôler, gouverner. Mais si nous tu mets ça dans ingrédient là, nous pour gagner ça résultat là. Si nous mettons un ingrédient qui peut amener désonnier, non, nous pas pour gagner l'honneur, nous pour gagner désonnier même. Et ça désonnier là, Allah qui plonge nous de ça désonnier là. Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaykum dhullan. Allah pour plonger, Rasoul Sambé dit ça vraiment, nous pour plonger dans un désonnier. La yanzi'uhu, et je pas Allah pas pour tirer ça des unis là. Hatta tarji'u ila dinikum, aussi longtemps qu'ils ont pas retourné vers le din. Alors Allah subhanahu wa ta'ala se promesse livré. Man frek, man sûr. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'histoire de Moussa alayhi salam, qu'est-ce qui est arrivé? Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui montrer, pour lui donner yakin, man jimoun qui peut faire zéfo, pour vivre ce din, comment Allah in descend sa din là. Comment fin enseigner par nos Habib sallallahu alayhi wa sallam, comment man khulafa al-rashidin, comment man sahaba radiyallahu anhum ajma'in, comment man tabi'in, tabi'in, in vivre sa din là, quand nous pouvons vivre sa din là, promesse Allah pour vrai pour nous. Wala tahinu, pas désespéré, wala tahzanu, pas tracassé, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, zot mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner zot autorité, il vous donne zot le contrôle, il vous donne zot la force, il vous donne zot izza, il vous donne zot l'honneur, il vous donne zot puissance, mais sinon, il t'a désonné. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, faltaqatahu alu fir'aun. C'est là qu'il recevait sa. Sa corbeille de Moussa alayhi salam là, c'est Alu Fir'aun, la famille de Fir'aun. Liyakuna lahum, dit Allah qui veut dire adouan wa hazana. Afin que ça, pareil parce qui, je peux désobéir à l'autre Allah, je peux venir l'ennemi Allah, et Moussa alayhi salam aussi, il peut venir l'ennemi pour eux, wa hazanan, et il peut venir un tracas pour eux. Ça veut dire, maintenant là qui peut arriver là, je peux prendre Moussa alayhi salam, je peux grandir de la case, ensuite lui-même qui peut. Get plan Allah subhanahu wa ta'ala. Get plan Rabbul Alamin Jalla Jalla Rousseim qui dit wa makaru wa makar Allah wa yamkuruna wa yamkuru Allah. Alors je peux faire ce plan, Allah est ce plan. Et Allah est meilleur dans planifier. Dans perotouiller finalement qui peut arriver là, qui Moussa alayhi salam pour grandir dans la case de Pharaon, Inch'Allah. Semaine prochaine, bi'idnillah, nous pour continuer un dialogue qui finit là entre famille de Moussa alayhi salam. Alo inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in wa bidya sura qasas la alo banna zun désobéit Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quand zun désobéit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la destruction qui peut venir. Comment sa destruction là, Allah subhanahu wa ta'ala in planifié pour que Moussa alayhi salam li grandit dans ta case. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala pour détruire Fir'aun wa alu Fir'aun et ban follower de Fir'aun et ban qui suivent Fir'aun et suivent les affaires de Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala pour détruire à travers Moussa alayhi salam, bi'idhnillah. Semaine prochaine, nous continuons, Inch'Allah, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Que Rabbul Alamin remplit de nous l'équipe l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui-même, et l'amour pour nos Habib sallallahu alayhi wa sallam. Un amour qui fausse nous, qui fausse nous pour nous stick, pour nous tenir ferme l'autre Allah subhanahu wa ta'ala et sunnah de nos Habib sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, sa ummat là. Zami n'est pas pour unir, excepté les pour unir l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde qui compte Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il compte sur Ummat. Et si vous comptez en unification sur Ummat, nous vous aimez pas derrière. Tout le monde divergence, qui fait une divergence, parce que ça savant dans 900 Hijri, l'un a fait ça, dans ça savant 800 Hijri. Savant, tout le monde savant, je travaille, je peux répéter dans tout le monde les leçons, c'est montrer nous, sunna de nos Habib sallallahu alayhi wa sallam. N'importe qui savant qui était, n'importe qui pays qui était, n'importe qui pays qui était. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, écoute ce hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, عن أنس قال أنس رضي الله عنه بيجي كي أنس بيجي right اسمه ده نجد لي ده لمشكات المصابيح لجيا كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد متي من مولى سنولا رسول صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه بيجي كي متي بيعسيزي avec رسول صلى الله عليه وسلم دا مسجد ورجل يصلي انجمون بفي صلاة فقال تسو صلاة لنجيه
Allahumma inni as'aluka bi annaka lakal hamd. La ilaha illa ant al-hannan al-mannan badi'u as-samawati wal-ard. Ya dhal jalali wal-ikram, ya hayyu ya qayyum, as'aluka. Ensuite, bidiman Allah. L'in prend sa, dans son introduction de ce dua, il finit tout ça par nom Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il demande ce dua. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: Da' Allah bi asma'ihi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi u'ta. Rasul sallam qui dit dans Tirmidhi. Lijay sajimunna lin siyavi ban ban asma'ullahi al-a'zam Allah suban greatest name suban plus grand plus joli plus grand nom lin siyavi pour demander dua. Alors ça ban nom lin siyavi là quand dit mon siyavi ça pour demander dua, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce dua et quand dit mon une petite chose une requête, Allah répond sur requête. Ça c'est l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme on dit hadith qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne. Il vient enseigner Fatima radiallahu anha, dit Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Alors, ça c'est l'enseignement Habib sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait nous péquitte l'enseignement nous, Habib sallallahu alayhi wa sallam? Nous péquitte li, nous peut enseigner ban djimoun, ban kit chose qui nous bise faire caustique pour prouver qu'il y a un droit fieri. Moi, je t'aime beaucoup, je te comprends. Moi, tu dis l'ego. Vous avez fait l'ego, al fait patchwork. Tu es dans ton livre là-bas, tu es dans le livre 900 Hijri, al tu es dans le livre 1200 Hijri. Tel savant, tu dis ça, le tel, tu dis ça. Moi, je peux dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allô, Manjimoun, sois assis. Moi, on vit l'enseignement Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il peut dire ce chifi, Fatima. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا غفية تمو بانزافير يعني أرانج تمو بانزافير فعلي بيان ولا تكلني إلى نفس طرفة عين نبال اسمه من الجمون كي مو ديبان لو موان لو موان نو نو ديبان جسل والله سبحانه وتعالى جل جلاله نجوان الله دواخي رب العالمين جل جلاله لي بروتيز نو إيمان إي إيمان دي نو من ديسندانس إي كي الله سبحانه وتعالى يا ليه سوفرانس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بارتو كوت مسلمان بي سوفير مي سيلمان نو بيزان ان ميم تان كي نو بي فير دعاء بو نو أمة نو بيزان فير نو أمة كومبران اوسي لونتان نو بو ميت بان انغريديان كي دون ديزونير نو با بو غاني لونير الو نو بيزان ترافاي بو رود سامان انغريديان كي بو دون نو لونير بو كي الله كونتان نو اي الله بروتيز نو اي الله سبحانه وتعالى باريس نو فين زليل فين ديزونوري ديفان من النبي الله سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.